Enfin bref, je prépare un bon gros poulet pour samedi prochain. Parle-lui du sac de sable. Ah oui, ton père met de l'encre dans le garage et il voulait savoir si le vieux sac de sable t'intéressait. Il est trop vieux pour ces choses-là. Enfin bref, appelle-nous demain quand t'auras atterri ou aujourd'hui quand t'auras ce message. Tu vois ce que je veux dire? Oh, j'ai hâte de te voir. Je t'embrasse. Au revoir. Mercredi, 21h36. Jimmy, c'est Griff. Je sais pas quoi te dire, mon pote. Je suis vraiment désolé. Appelle-moi quand tu rentres. On les aura, je te le promets. Je suis avec toi, mon pote. À très vite. Fin des nouveaux messages. Salut Jimmy, comment tu vas? Fiche le camp, Debbie. Ça va, Jimmy? File-moi un soda, s'il te plaît. Oui. Écoute, mec. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je suis sûr que tu peux m'envoyer dans la bonne direction. J'ai rien vu, Jimmy. Désolé, mec. Tu crèches à 50 mètres de chez eux. Écoute, si t'es venu pour foutre la merde, tu ferais mieux de fiche le camp. Non, Terry! Te mêle pas de ça, toi! Foutre la merde. Lâche-le! Laisse-le tranquille, s'il te plaît! Jimmy, non, 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 arrête! Non! Jimmy, arrête! Non! Oh, Seigneur, ne fais pas ça! Tu vas lui dire oui ou non? C'est moi qui ai appelé les pompiers sur là. Ils étaient quatre. Quand ils sont entrés, j'ai entendu ton père. Il criait. Quand j'ai entendu ses cris, j'ai jeté un coup d'œil. J'ai regardé par la fenêtre. J'avais peur. Qui a fait ça? Bonjour. Au revoir. Tu pars déjà? Je suis en retard, George. Oh, tu pourras tondre la pelouse tout à l'heure? Pourquoi? Jimmy vient à la maison quelques jours. Je veux que ce soit beau chez nous. Elle aura repoussé d'ici là. Je sais, mais il va pleuvoir toute la semaine à partir de demain et tu pourras pas le faire. Il vient de passer des mois dans le désert afghan. La pelouse est la dernière chose qu'il va remarquer. Et puis je voudrais remettre le taxi en état. Tu vas bien, chérie? Je voudrais qu'il arrête ses voyages une fois pour toutes. Tu étais un peu en vrac sur cette photo. Je venais de passer 7 heures en salle de travail. Heureusement que tu étais de l'autre côté de l'appareil. C'est toi plutôt qui étais en vrac entre ta coupe de cheveux et ta boucle d'oreille. La minute d'avant, tu montais à l'arrière de mon vélo. Et juste après, on a eu un petit garçon. On ne savait pas ce qui nous tombait dessus. À 10h35 cette nuit-là, je savais exactement ce qui nous tombait dessus. Je tondrai la pelouse en rentrant. Merci, Trésor.
Elle aura rien sur elle, mec. Va te faire foutre, je la mate depuis des mois, mon pote. J'espère pour elle. Je commence à avoir des crampes à force de rester assis dans la caisse. Tous les vendredis à 4h30, elle emmène le fric, crois-moi. T'as intérêt à pas déconner, il est déjà plus de 5h, je te signale. Quoi ? Où tu vas ? Je file à la banque. Tiens, dépose ça en même temps. T'arriveras jamais à temps. Sauf si je prends ta voiture. Garde-les bien sur toi. Ouais, je sais. La voilà, réglée comme une horloge. Ouais, c'est elle. Elle est en route. Allez, on y va. Vous êtes prêts ? À gauche, celui-là. File-moi un masque. Oh non, Seigneur. Merde. Viens. T'as le pognon, mon pote ? Y'a rien dans la bagnole ! Elle doit l'avoir sur elle ! Où il est ? Où est le pognon ? Récupère le fric et remonte dans la caisse, putain ! Fringue-toi, bordel, faut se tirer ! Non, mais je rêve ou quoi ? Qu'est-ce qu'ils font, ces salopards ? Fais gaffe, y'a quelqu'un qui se pointe ! Allez, file-moi le pognon ! Qu'est-ce que tu fous là ? Et toi, qu'est-ce que tu fous là ? Remonte dans ta bagnole, mon pote ! Tire-toi, mec ! Ferme ! T'as rien à foutre ici ! Tire-toi, bordel ! Putain, mais qu'est-ce que vous foutez, les mecs ? T'en veux encore ? Allez, viens ! Allez, viens te battre, salopard ! Je vais te déglinguer la gueule ! Allez, viens ! Fais gaffe à ton cul, mon pote, on t'aura ! Approche ! Ne cherche pas, connard, ou tu vas prendre cher ! Faut se tirer, les mecs ! Allez, venez ! Tu vas nous le payer, connard ! Fais gaffe à toi, fils de pute ! N'avait rien. Et il est venu vers vous. Mais vous dites qu'il était derrière. Monsieur Vickers ? Oui, désolé. Je voulais qu'il arrête, vous comprenez pas ? Je n'ai jamais eu l'intention. Mais vous auriez dû y penser avant de vous mêler à cette histoire. Emmenez le corps avant que les gens le voient, sinon on aura un attroupement avec des témoignages différents. Monsieur... quoi déjà ? Vickers. Monsieur Vickers, inspecteur Holland, vous allez devoir nous suivre. Est-ce que c'est grave ? Monsieur Vickers, je vous arrête pour suspicion d'homicide involontaire. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous n'avez pas d'avocat, nous en nommerons un d'office qui vous accompagnera au tribunal. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Si vous avez des questions, non, parfait. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera en tôle. Et mon pognon ? On a eu un petit problème, Warren. Ouais, tout se passait bien et on a dû s'occuper d'un connard qui a voulu jouer les héros. Et où est mon frangin ? Bah, c'est ça le truc. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Il est mort, Warren. Vous deviez pas faire gaffe les uns aux autres. C'est ce qu'on a fait, mais ça a merdé dans... Putain, c'est quoi ce bordel ? Tu devais faire gaffe à mon frangin, t'as pas bougé ? On le butera ! On sait où il crèche, il est sorti, il est resté que 2 heures au poste. Trouvez ce type. Et faites-lui la peau. On va lui régler son compte. T'inquiète pas.
moi. Chut, ferme-la vite, bordel, sinon je coupe ta putain de langue. Est-ce que tu piges? Qu'est-ce que tu fous, toi? Elle est pas mal, la meuf. Non! Je deviendrai complètement barjou et je me demanderai ce qu'arrive à ma meuf à ta place. Chut. T'avais plus de couilles l'autre jour. T'as voulu jouer le héros. T'es un héros, hein? Ouais, je parie que quand t'es sorti, t'avais hâte de dire à ta meuf: hey, « Eh, devine ce qui m'est arrivé aujourd'hui. J'ai arrêté des voleurs. Et j'en ai tué un. Y'a quoi au dîner ?» Le problème, c'est que le frère du gars que t'as tué est avec ta bonne femme, maintenant. Allez, fais pas cette tête. Tu veux une ligne, mon gars? Tu vas pas canner sans avoir pris un gramme une fois dans ta vie. Allez, sois cool. Pourquoi tu nous fais pas un joli petit sourire? Passe-le-moi. Toi, va démarrer la caisse. Putain, j'ai envie de les voir cramer, moi. Je te fais cramer avec eux si tu bouges pas ton cul. T'as de la chance, mon pote. Tu vois, j'ai pas pu dire au revoir à mon petit frère quand tu lui as éclaté la tête avec la batte. Mais je te laisserai lui dire au revoir. Parce que je suis un gentil. Et aussi, je t'ai fait un petit cadeau. J'ai pas pu m'en empêcher, désolé. J'ai mis un peu plus de carburant sur ta femme. Elle s'allumera en premier avec un peu de chance. Oh, il fait super froid là-dedans. T'en fais pas, Georgie. Je vais t'allumer le chauffage. Comment tu vas? Ça te servira à rien d'aller questionner les gens pour avoir des infos. Ouais, je sais, mais quelqu'un finira bien par parler. Oui, c'est possible. Mais je fais ce boulot depuis 6 ans, et je sais que les gens préfèrent se taire de peur de recevoir un coup de couteau dans le bide. Alors arrête de tourner autour d'eux. Qu'est-ce que t'as trouvé? Absolument rien. Personne ne veut nous parler. Un des voisins a dit qu'il avait entendu un bruit vers 11h. Il a cru que c'était la télé. Il a appelé les pompiers à 11h30 quand il a vu le garage s'enflammer. Et il a vu une BMW noire partir à toute vitesse. On a eu plusieurs attaques comme celle que ton père a empêchées. On se dit que c'est peut-être les mêmes gars. Où qu'ils soient, les gens ont peur, Jimmy. Ils étaient vivants. Jimmy, me demande Est-ce pas... Est-ce qu'ils ont été brûlés vivants? L'examen du légiste dit qu'ils ont brûlé vivants, oui. Tu as vu Morgane depuis que tu es revenu? Non, j'ai pas encore signé les papiers du divorce. File-moi les enregistrements des caméras de surveillance. J'ai bien regardé, Jimmy. Ils avaient des masques de lapin, on voit rien. Ok, je te les apporte demain. Jimmy. Il a eu un sacré courage. C'était quelqu'un de bien.
T'es rentré quand exactement? Vendredi. T'as raté les funérailles. Je ferai tout pour me racheter. J'ai dû t'envoyer 4 ou 5 emails, Jimmy. J'étais en mission de combat à Helmand. Ton commandant a dit que t'avais été arrêté et incarcéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais que je ne peux rien dire, Morgane. C'est la moindre des choses, Jimmy. Tu me dois bien ça, je te rappelle que c'est moi qui me suis occupée des funérailles de tes parents parce que t'étais absent. Non, attends. Je suis désolée. Reste pas tout seul. Tu peux t'arrêter à l'appart si t'en as envie. Au fait, t'es au courant pour l'histoire de Marlon ou non? Qu'il aille se faire foutre. Ouais, mes potes la coupent pas. C'est de la bonne, tu verras. Wow, 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 c'est quoi ce bordel? Salut, c'est Ryan, il est cool, il veut de la blanche. On m'a dit qu'elle était bonne chez toi. Foutez le camp, les gars. Emmène-le voir Caleb aux heures de bureau, t'as compris? Oui, mais il en veut 5, c'est pour ça. On a une fête avec les potes. T'as le fric? Tu te fous de moi? Y'a que 400. J'avais dit 500. Ton pote a dit que c'était 400. Du coup, on a que 400 sur nous. Ben, t'as qu'à en prendre pour 400. J'ai dit que j'en prenais 5. Attends, je vais te dire. Tu me files les 400 billets. Et tu me laisses mater les seins de ta meuf. Ouais. Non, ça fait rien. Donne-moi pour 400 et ça ira. Non, je refuse. Bébé, viens, on s'en va. On a besoin de dope, chérie. Ah. Je suis pas exigeant. Juste un petit coup vite fait. T'as pas de soutien-gorge, Paris. Ce gars est taré, hein, les gars? Tu croyais vraiment que j'allais te filer 100 billets de cam gratos pour un coup d'œil au nichon de ta nana? Il est arrivé. C'est bon, on se tire. Rends-moi mon pognon. Toi, tu vas nulle part. Il est vraiment taré. T'auras ta dope si elle me suce la queue. Non, arrête, arrête, non! Enlève ton t-shirt. Ils arrêteront de le frapper quand tu me suceras. Arrête, ouais, c'est bon. Elle va le faire. Enfoiré. Quoi? Ah. Attends, j'enregistre, mon pote. Monsieur Evans? Vous voulez quoi? Monsieur Evans, on nous a signalé du désordre à cette adresse il y a quelques heures. Ouais, et alors? Monsieur Evans, vous étiez chez vous cette nuit? Ouais. Il semblerait qu'un homme ait été agressé dans votre appartement. Monsieur Ryan Scott. Je connais pas ce mec. On peut entrer? Non, et foutez le camp. Un jeune homme est à l'hôpital. Il a été tabassé. Il est très grièvement blessé. Et alors? Je vois pas le rapport avec moi. Tu prends ton animal de compagnie et tu fous le camp de ma cour. Fais pas ta mijaurée, la greluche, et reviens me voir quand tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as bien compris. Attendez, vous croyez réellement que je pourrais avoir envie, ne serait-ce qu'une seconde, de voir un sac à merde comme vous? C'est bon, viens. Va-t'en, ma poule. Allez, chef, emmène-la et maîtrise-la un peu. Garde ton pitbull en laisse, mec. Hey, Jenny, attends. Les laisse pas t'avoir. Tu sais bien que c'est lui, mais tu le laisses dehors. Tu es agent de police depuis quelques mois. Tu veux que ça change? Alors grimpe les échelons. Je vais dans la voiture.
Qu'est-ce que tu fous, bordel? C'est dingue! Qu'est-ce que tu veux, putain? Tu sais qui je suis, au moins? Tu joues le balèze, hein? Tu m'as attaché, mec. Tu vas pas comprendre. On va te massacrer, tête de bite. Je vais te le demander une fois. Si je dois te le demander deux fois, je te couperai l'oreille gauche. Et si je te le demande une troisième fois, ce sera l'oreille droite. T'as compris ce que je te dis? C'est vraiment super, super simple. On est sur la même longueur d'onde, ouais. C'est bien, on est d'accord tous les deux. Le couple qui était dans le garage il y a quelques semaines. Va te faire foutre, sale fils de pute! Il a tué mon petit frère! Il a eu ce qu'il méritait! Et t'aurais dû voir ce qu'on a fait à sa bonne femme. Je lui ai mis le paquet à la vieille. Ta mère, on l'a baisé. C'est un bon coup. On les a mis l'un en face de l'autre. Et puis on a allumé. Comme ça, il voyait l'autre brûler. T'aurais vu la tête qu'il faisait. C'est trop bon de voir des gens brûler. Tu veux que je te dise? Je vais te laisser partir. Mais tu vas faire un truc pour moi. Tu mens? Non, écoute, je te mens pas, d'accord? T'es sérieux? Oui, je suis sérieux. Oui. Oui, je t'aime bien. Voilà ce que je veux. Tu vas me donner le nom de tes copains. Allez, vas-y. Allez, prends ça. Allez, vas-y, prends-le. Maintenant, écoute, écoute ce que je vais te dire. Ils sauront jamais que c'est toi, ok? Si tu me donnes leur nom, tu resteras en vie. Mais si tu refuses... Tu devines? Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est d'accord, je vais te les donner. Putain. Attends, ça vient. J'ai fini. Attends. Allez, vas-y, prends-la. Génial. Écoute, mec, pour les saloperies que je t'ai dit avant, je suis vraiment allé trop loin. J'aurais pas dû. Ouais. Ça va. Mais essaye d'imaginer. Essaye d'imaginer ce que ça peut faire. De finir brûlé vivant. Mais de quoi tu parles, mec? Tu vois pas de quoi je parle? Putain, de quoi tu parles, bordel? T'as dit que tu me laisserais partir! Qu'est-ce que tu fous? Hein? Pitié, mec, t'as dit qu'on était d'accord! Laisse-moi partir, s'il te plaît! S'il te plaît! Pitié! Je suis vraiment désolé! Je veux sortir de la caisse, mec, putain! Laisse-moi sortir! S'il te plaît! Allez! Ah! Allez! S'il te plaît! Désolé, mec! T'avais dit que tu me laisserais partir! Sors-moi de là! Vite! Ah, vite! Fais-moi sortir, s'il te plaît! T'arrives pas à dormir? La caféine va pas t'aider. Le soleil va bientôt se lever. Comment tu vas depuis tout ce temps? Bien. Ça va. Les vétos ont emménagé dans un cabinet plus grand. Et plus joli. Jimmy, je suis sincèrement désolée pour ce qui s'est passé. Tu crois qu'ils ont fait ça pour se venger de ce qu'avait fait ton père? Je veux que tu me promettes de pas faire de bêtises, d'accord? Je peux aller dans ta salle de bain? Oui, bien sûr. Attends, c'est quoi ça?
C'est rien. Bon sang, Jimmy, tu saignes. Ça va, Morgane. Touche pas, Morgane. Non, assis-toi. C'est rien. Écoute. T'as besoin de points de suture. Assis-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai simplement croisé deux mecs sur un parking. En Afghanistan. D'accord, d'accord. J'ai d'autres sources pour te faire parler. Tu sais, c'est un peu compliqué en réalité. T'es sûr? Parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait rien de compliqué. Que le problème venait essentiellement d'une personne, pas de la situation. De qui? De moi? Non, c'est pas trop mon genre, tu vois. On a dû venir m'emmerder. Arrête. J'irai signer les papiers du divorce. C'est pas pressé. Bon, je crois que c'est fini. Et voilà. Non, attends. Il faut un petit pansement. Et voilà. Touche pas. Merci. Je t'en prie. En général, c'est des chiens et des chats, mais ça devrait le faire. J'espère que t'aimes les cicatrices. J'y suis habitué. En parlant de cicatrices, justement, tu te souviens que je t'ai sauvé la vie? Arrête, j'allais pas mourir d'hémorragie ce jour-là. On était à 20 000 de l'hôpital le plus proche, au milieu de la forêt. Il aurait pu t'arriver n'importe quoi. Bon, c'est rigolé. Ouais, t'as raison. Bonjour Morgane. Bonjour. Qu'est-ce que je te sers? Un cappuccino. Merci. La police est arrivée sur les lieux il y a environ 8 heures. Monsieur Evans a été vu pour la dernière fois dans le quartier de Conningtown vers 9 heures hier soir. Mais on ne sait toujours pas comment et pourquoi Monsieur Evans s'est retrouvé ici hier soir. Personne ne comprend vraiment pourquoi ce monsieur était là tout seul dans son véhicule. D'ailleurs, la police doit encore confirmer s'il était seul ou pas. On sait seulement que voilà quelqu'un sur la Tamise Merci. À bord d'un bateau a appelé les pompiers lorsqu'il Ah oui, ils n'arrêtent pas d'en parler depuis ce matin. On n'en a rien à faire, c'est encore un dealer qui s'est fait buter par un client. Et ouais, ils ont c'est entendu vrai. Une explosion juste après. On sait que ce quartier aux alentours de Carmel Road est très souvent fréquenté par des adolescents et des dealers. Cette zone était particulièrement animée ces derniers temps. Monsieur Evans avait été arrêté il y a 3 ans lorsque la police qui recherchait un gang avait donné l'assaut dans un appartement et un garage à l'est de Londres. Il avait avoué à l'époque être impliqué dans un trafic de cocaïne et d'héroïne. Son complice, Caleb Green, âgé de 36 ans, avait été emprisonné. Comment tu sais que c'est Caleb? Je vois pas qui ça pourrait être. Ils passaient leur temps à se foutre sur la gueule pour leur pourcentage. Warren m'en a parlé la semaine dernière. Ouais, ça j'avais remarqué aussi. Attends, s'il la ramène trop, on lui ferme sa gueule. C'est parti. Laisse-nous entrer, mon pote. Faut qu'on parle business. Va te faire foutre. Vas-y, chope-la, mange-toi. Oh. Tu sais pas ce que tu fais, mon pote. Je sais que c'est toi. Je veux t'entendre le dire. De quoi tu parles? Putain, c'est toi qui as buté Warren. Tu te fais un mauvais trip, mec. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Je te le dirai qu'une fois, enlève ton flingue et lâche-moi, mec. Je te laisserai pas repartir d'ici vivant. Je sais pas ce qui est arrivé à Warren, mais j'y suis pour rien. Je parie qu'il est pas chargé. Me tente pas. Dehors, tous les deux.
Quelqu'un a mis le feu à sa caisse. Avec lui dedans, mec. Et vous croyez que c'est moi? Pourquoi j'aurais perdu mon temps à faire un coup pareil? Si j'avais voulu lui faire la peau, je lui aurais mis une balle dans la tête. Si on apprend que c'était toi... Ouais. Tu feras quoi? Vous pouvez aller vous faire foutre tous les deux. Maintenant, dégagez. Et ne mettez pas les pieds dans mon quartier. Vous êtes que deux pauvres petits clowns. J'ai besoin d'adresse. Est-ce que ça t'a fait du bien? Il en reste encore quatre en liberté. Jimmy, arrête, faut que tu laisses tomber ça. Ah ouais, tu veux que je te laisse faire? J'ai leurs quatre noms et toi, qu'est-ce que t'as trouvé? Alors c'est ça le programme? C'est ça que tu attends de moi? Tu veux que je reste en renfort pendant que tu fais un safari à travers toute la ville? Tu sais aussi bien que moi que c'est la seule façon de faire avancer les choses dans ce quartier. Qu'est-ce qui se passera si tu en arrêtes un? Tu feras quoi? Tu prendras sa déposition? T'iras au tribunal? Tu le verras rigoler et te cracher à la figure. Et vous l'enverrez dans une prison, peinard, où il passera ses journées assis sur son putain de cul à jouer aux jeux vidéo. Ce pays a beaucoup changé. Et les émeutes, c'est que le début du changement. Il y a eu une époque où j'aurais donné mon sang pour que le rouge reste sur notre drapeau. Mais cette époque est loin derrière. On est face à une génération de délinquants dont on sait pas quoi faire, Griff. Donc tu sais aussi bien que moi qu'on ne pourra pas les empêcher de recommencer? Moi, je suis là. Tu sais bien que la vengeance ne t'aidera pas à faire le deuil. La vengeance... C'est pas une question de vengeance. C'est une nécessité. Trouve-moi ces adresses. Combien ils étaient? Deux. Je sais que c'est difficile, Madame Gill, mais vous pouvez me les décrire? L'un d'entre eux avait une sorte de capuche noire et blanche. Je me rappelle pas l'autre, ça s'est passé tellement vite. Ça ira. Excusez-moi, je reviens dans une minute. Monsieur? Oui, juste une seconde. Bien, alors essayons d'aller vite. J'ai rendez-vous avec le commissaire divisionnaire à 1 heure. Je veux pas être en retard à cause de cette merde. Vol à main armée, 2 suspects, la quarantaine tous les deux. Monsieur Oliver a essayé d'attraper une arme, apparemment. L'autre lui a mis 2 balles dans la poitrine. Il tenait Madame Gill en joue pendant que l'autre vidait la caisse. Ça alors, ça avait l'air bien organisé. On a des vidéos de surveillance? Oui, mais elles sont plus valables. Pourquoi il a essayé de le désarmer, cet idiot? Je sais pas, pour protéger son gagne-pain, peut-être? Oui, ça lui a bien réussi, on dirait. Comment vous vous appelez? Griffin. C'est sûrement une histoire d'assurance qui est mal passée, vous prenez pas trop la tête. Elle portera plainte, touchera le gros lot et tout le monde sera content. Et les suspects? Faites venir l'équipe de Charlie Bronson et dites à la morgue de m'envoyer leur rapport dans la foulée. Ça prendra peut-être du temps, mais allez, une justice lente c'est mieux que pas de justice du tout. Thank you.
Ça suffira pour moi, merci. Vous ne devez pas conduire. Non, mais l'alcool ne me réussit pas. Ah oui. Et qu'est-ce que ça vous fait? Eh bien, disons que la dernière fois que j'étais ivre, j'ai fini dans un concours de t-shirts mouillés en vacances. Ah, et le résultat? J'ai gagné, bien sûr. J'en étais sûr. Et vous, vous êtes comment quand vous buvez? Oh, je suis du genre infréquentable. Et comme la plupart des gens, j'aime assez les effets de l'alcool. Je ne m'empêche jamais d'avoir du bon temps. Et vous croyez probablement que j'ai le même caractère? Non. Je pense que vous êtes prudente. Timide. Et je suis sûr que vous avez la frousse de boire ce verre de vin parce que ça voudra dire que votre robe se retrouvera sur le sol de ma chambre et votre petite culotte dans ma collection. Je n'en ai pas aujourd'hui. Désolé pour cette absence. Tu as soif, chérie? Alors, où on en était, Ronnie? Je crois qu'on s'était mis d'accord pour 30%. On finissait les desserts, vous alliez payer l'addition. Enfin, c'est ce qu'a dit votre merveilleuse épouse. Vous la trouvez merveilleuse? C'est pour ça que j'aime l'emmener au déjeuner. Tu es douée pour juger les gens, n'est-ce pas, chérie? Dans ce cas, je suis d'accord. Alex, c'est une très bonne décision. Vous faites le bon choix. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Tu peux essayer de t'habiller comme tu veux, Jimmy. Tu ressembles à rien sans ton pistolet mitrailleur et ton porte-munitions. Je prends ça pour un compliment. Ah, ça a l'air d'être un bon plan. Le portefeuille de son mec aussi. Un verre? J'aurais besoin d'un peu de matos. Si t'es toujours dans le business. Jean? Ouais. C'est quoi cette merde Excalibur? Je vais pas me balader avec ça. Il est tout en titane, il peut passer à travers une porte de bagnole. Pourquoi tu veux que je poignarde une porte de bagnole? Ça marche aussi sur les gens. Oh, 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 écoute, écoute. Remets-le à sa place ou tu vas arracher l'œil de quelqu'un. Quoi, t'as jamais poignardé quelqu'un, peut-être? Et ça, c'est un 6RP 226. T'en as déjà vu dans ta vie? Ouais, il contient 19 balles dans le chargeur et il est efficace à plus de 50 mètres. Ton copain connaît ce genre de jouet. On le prend. Il faudrait peut-être un silencieux. Je suis plus dans le circuit, Jimmy. Je l'ai fait pour te dépanner sur Scoo, mais... J'apprécie ton effort. Jimmy, on en a vu, toi et moi. Et je te connais par cœur. Et ce regard est pas bon du tout, mec. T'inquiète, je contrôle. Je comprends que ça te fasse mal, je te le jure. Et crois-moi, j'aurais envie de faire pareil. Mais il y a plus de règles dans la rue, maintenant. Si tu veux te faire respecter, faut être un fils de pute. Un vrai fils de pute. Tu saisis ce que j'essaie de te dire? Fais attention à toi. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, viens me voir, d'accord? Pour Warren, les gars. Ah.
Vous remettez ça, les mecs, moi je vais pisser. T'as une idée du salopard qui a pu faire ça? Non, mec, et toi? Non, je sais pas. Mais on trouvera ce salopard. Quand on l'aura, moi, toi, et la petite merde qui est aux chiottes, on lui détruira sa putain de race. Ouais, mec. Ouais. Ouais, mon pote. C'est comme ça que ça marche ici. Allez, remets ça. Qu'est-ce que tu me veux, connard? Quoi? T'as un problème, mec? Tu me fais chier! Tu vas mourir ce soir. Rien. Je sais. C'est horrible, je sais. Mais c'est la réalité. Et t'aimerais bien savoir pourquoi ça t'arrive, mon pote. C'est juste parce que tu t'es mis dans de mauvaises situations. Alors, faut reconnaître que tu m'as pas vraiment laissé le choix. Tu vois, je pourrais carrément... Je pourrais mettre ce que je veux à l'intérieur. Y a quelqu'un? 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 Désolé. C'était une mauvaise blague. Qu'est-ce que tu fous? On s'inquiète, mec. T'as raison de t'inquiéter pour lui. C'est qui au téléphone? Où est Danny? Il peut pas parler pour l'instant. T'es qui, toi? C'est toi qui as fait la peau à Warren, hein? C'est quoi ton putain de problème? Tu mérites de mourir brûlé. Tu mérites de mourir pour ce que t'as fait. Pour ce que vous avez tous fait à ce couple. Alors c'est pour ça? Je vois pas le putain de rapport qu'il y a avec toi. Tu crois que tu me fais peur à l'autre bout du téléphone, mec? C'est toi qui flippes, en fait. On verra comment tu seras quand on sera face à face. T'as qu'à venir. On sera bientôt face à face. Et quand on y sera, je vais t'anéantir comme une merde. Crois-moi. Ce sera bon, putain. Je vais te détruire. Alors, où on en était tous les deux? Tu vas adorer ça. Mais d'abord, je vais te faire un petit cours. Sur le ciment. En général, quand on dit cimenté, on parle d'une colle. C'est un mélange de substances qui se solidifient ou durcissent indépendamment l'une de l'autre. Mais ça peut coller des matériaux ensemble. Les Romains en faisaient déjà.
à l'époque, ils appelaient ça... de l'opus. Sémanticium. Un groupe d'enfants l'a trouvé. Par où on commence avec un truc pareil? C'est quoi ça? Un écarteur de bouche. Les dentistes s'en servent, je crois. Ça ressemble plutôt à un sextoy. Oh, c'est du solide. Il en a probablement avalé 1,5 litre avant d'étouffer. Le ciment a collé tous ses organes internes. Si vous lui tapez dessus avec un marteau, il se cassera en 1000 morceaux. Putain! Le médecin légiste va arriver. Non. Pas question. Je veux pas d'expert en scène de crime ici. Ça faisait longtemps que j'attendais qu'une affaire correcte me tombe dessus depuis ma promotion. Tenez-moi ça. Récupérez les dépositions des enfants et apportez-nous des cafés. La journée n'est pas près d'être finie. Inspecteur Holland? Autre chose? Eh, tout à fait. Ouais, bien sûr. Toi, t'es qu'un gros connard. Inspecteur Holland, un de mes collègues m'a dit que vous aviez quelque chose sur vos vidéos de surveillance. Je voudrais les voir. Pas moi, en tout cas. On m'a téléphoné de ce pub, donc c'est bien ici. C'est moi. Je vous ai appelé. On les a fait installer l'année dernière. Bien obligé, après 3 cambriolages, puisque vous avez dit que vous pouviez rien faire tant qu'on n'aurait pas de vidéo. Je vois. Vous étiez trop occupé à trier des papiers dans votre bureau tout chaud, j'imagine. Ou à juger des criminels au lieu de leur donner ce qu'ils méritent. Un bon coup de pied au cul. D'accord. Dépi. Je voudrais te parler, Terry. Quoi encore? Je peux savoir ce que tu fais. Je protège l'avenir de mon pub. Ton pub? On sait bien qui tu essaies de protéger. Tu le fais par gentillesse ou parce que t'as peur? Tu sais parfaitement à qui est cette voiture. Tu peux pas fermer les yeux là-dessus. Ils finiront par savoir que c'est lui. Si les jeunes apprennent que je les ai balancés, ils viendront brûler la maison et on sera tous les deux à l'intérieur. T'as vu ce qu'ils sont capables de faire? Oui. Et je sais ce que Jimmy est capable de faire. Il va les écrabouiller les uns après les autres. Fiche-lui la paix, laisse-le faire. Le balance pas, cette espèce de requin. On la regarde ou quoi? C'est là. Et alors? Nom de Dieu. Attendez, attendez, en arrière, revenez au début. Oui, mettez en marche, là. Arrêtez là, là. Je te tiens, enfoiré. Et merde. Putain. Madame Vickers? Oui? C'est au sujet de votre mari, Madame Vickers. Oui, je vous écoute. Est-ce que vous l'avez vu ces derniers jours? Non, je l'ai pas vu, désolée. Pas du tout? Non, je viens de vous le dire. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons de bonnes raisons de penser que votre mari est impliqué dans une série de meurtres. Quel genre de meurtre? Je suis désolée, on ne peut pas en parler.
Si jamais vous le voyez, appelez-nous le plus vite possible. C'est le numéro de l'inspecteur en charge de l'enquête. D'accord. Merci. Tous ces meurtres. Ceux des journaux, c'est toi qui as fait ça. Bon sang, Jimmy! Morgane, ils ont tué de sang-froid mes parents. Oui, mais tu fais exactement la même chose que c'est quoi pour toi? De la justice? Ils méritent pas la justice. Ils méritent pas de rester en vie. Ils méritent qu'on leur arrache le cœur. Bon sang. Ils sont restés toute la journée. Tu sais, quand ils m'ont dit ce qui s'était passé, j'ai eu du mal à y croire. Comment ils ont pu faire ça à tes parents, c'est inhumain. C'est cruel et... Je voulais essayer de te retrouver. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, les 6 soldats afghans qu'on entraînait se sont retournés contre nous. 4 talibans ont tué 6 de nos soldats. Il fallait qu'on sache si l'un d'entre nous était mêlé à ça. Ils m'ont mis sur le coup et un des gars... Je devais le faire parler, tu vois. Il savait tellement de choses. Il nous aurait massacrés l'un après l'autre. Je pouvais pas le laisser en vie. J'ai été obligé de contenir la réaction de Mickey Burton parce que... J'étais allé trop loin. Alors ensuite, ils m'ont enfermé. Tu t'es échappé? Oui. Jimmy. Est-ce que t'as eu quelqu'un d'autre? Non. Cette histoire finira pas bien. Tu vois une autre alternative. Tu montes dans ta voiture et tu conduis jusqu'à ce que tu n'aies plus de carburant. Tu seras peut-être obligé de le faire. Est-ce que tu viendras avec moi? Oui. Je dois finir ce que j'ai commencé. Thank you.
divorce trop facilement. Ouais, il faut voir dans quelles circonstances. T'as raison, ça nous donne du boulot. Des fois, ils sont violents. Vous avez remarqué quelque chose dans votre magasin? Non, rien de particulier. Ils viennent pas tous les jours, non. D'accord. Si jamais vous vous rappelez de quelque chose, rappelez-nous. Bien sûr. Holland, je crois qu'ils ont trouvé votre homme. Ne vous approchez de lui sous aucun prétexte. Gardez un contact visuel, je suis sur le chemin. Oh, et trouvez-moi des hélicoptères. Oui, et le SWAT. Oui, je sais qu'on ne les appelle jamais, mais là, il faut le faire. Bonjour, monsieur. Vous avez vos papiers sur vous ? Comment vous vous appelez ? C'est lui. Ton arme à terre, Vickers! Je m'attendais pas à vous voir ici, colonel. Vous êtes venu pour me ramener? Plus tôt tu te rendras aux autorités, mieux ce sera pour tout le monde. Tout ce petit monde devra attendre quelque temps. Tu n'as pas le choix, James. Tu es un soldat en service pour ton pays dans une des unités d'élite les plus réputées. Rooker sait que l'Afghan a tout déballé devant toi, et il veut savoir tout ce que tu sais. J'ai deux ou trois choses à régler ici d'abord, et après je me rendrai. Ça ne les fera pas revenir près de toi. Ce que t'es en train de faire. Tu es un bon gars. Et t'es un excellent soldat. Mais tu devrais t'arrêter avant que ce bordel soit tellement énorme que je pourrais rien faire pour toi. Je m'arrêterai quand ils seront tous morts. Et je raccrocherai les gants. Tu crois ça? J'ai vu assez de sang comme ça dans ma vie. Je veux une vie normale. Et c'est quoi une vie normale? Un boulot dans un bureau confortable au ministère? Conduire un camion et un chariot élévateur dans un entrepôt dégoûtant? Le journal et des casse-croûtes au déjeuner et une bouteille isotherme de café? Les gens comme toi devraient être au plus haut poste de l'intégration sociale. Eux, ils sont là. Et toi, tu es là-haut. Psychologiquement, tu es fait pour être largement supérieur à tous ces employés modèles qui marchent dans la rue. Un lion parmi les lions. Et ces gens, s'ils savaient ce que tu as fait pour qu'ils puissent continuer à vivre leur petite vie mondaine, il s'agenouillerait pour te baiser les pieds. Tu es un héros, James. Est-ce que vous savez que si je n'avais pas été enfermé, j'aurais été là pour les sauver? Je devais rentrer à la maison deux jours avant qu'ils ne soient tués sauvagement. Arrêtez-vous. T'as 48 heures pour mettre en ordre tes histoires personnelles. Ensuite, ce sera du ressort de Rooker. Et il est beaucoup moins conciliant que moi. Joe! Tu vas bien? T'as une seconde? Ouais, mais je dois ramener ce matos à l'armurerie, donc
On parlera sur le chemin. Ça roule. Tu connais Jimmy Vickers? Ouais. Ouais, j'ai fait une opération de support avec lui sur la base de Robinson il y a environ 5 ans. Holland va bientôt le serrer, d'après toi? C'est plus qu'une question de temps, il est devenu complètement dingue. Tu sais ce qu'ils ont fait à son père et à sa mère? C'est pas important. On n'a pas le droit de faire ce qu'il fait. Préviens-moi quand Holland le trouve. Attends une minute. Tu lui files un coup de main. Écoute, je le connais depuis qu'on a 6 ans, Joe. J'en ai rien à foutre. Si on nous donne l'ordre de le dégommer, je le dégommerai. Il est devenu cinglé, ce gars. Et Holland, il l'est pas, lui? Ce gars-là, il a aucune morale. Tout ce qui l'intéresse, c'est de liquider Vickers pour monter en grade. Tu nous imagines avec un merde pareil comme commissaire divisionnaire? Je te demande juste de me tenir au courant. Merci. Autre chose, monsieur? Non, c'est gentil. Juste l'addition, s'il vous plaît. Spencer Holland. Tu choisis des endroits cosy pour le déjeuner, quelle chance. Je croyais que les flics mangeaient sur le pouce, assis sur un bureau avant de courir partout. Désolée, je suis un peu pressée, Julia, donc... Ah bon? Oh oui, c'est vrai, tu sais plus où donner de la tête avec ces deux meurtres. Tais-toi, tu sais pas de quoi tu parles. Oh, Red Spencer, tout le monde sait pour ton tueur. Plus que trois, ce qu'on m'a dit. Ça ressemble à de la vengeance, d'après moi. Si tu écris une ligne là-dessus, je te pourris le restant de ta vie. Oh, je t'en prie. Joue pas au con. Je veux juste une petite interview. Les gens ont le droit de savoir ce qui se passe dans leur ville. Ils ont le droit de savoir. T'es sérieuse? C'est tout ce qu'il te reste comme argument? Je suis sûre que tu sais qui c'est. Ah ouais? Et comment tu le sais? T'es vraiment trop nul. Tu sais pas mentir, Spencer, ça se voit sur ton visage. Et en pensant, mon rédacteur me déroulera le tapis rouge si je lui apporte. Écoute, je présenterai la police de façon élogieuse. La police fait preuve d'une tolérance zéro face à ces actes de vengeance. L'inspecteur Spencer Holland se rapproche à grands pas du malade. Prends une salade. T'as pris du poids depuis la dernière fois. C'est toi qui dis ça. Ravi de t'avoir vu, Julia. Et ça, ça vient du monsieur au bar. Il m'a dit de vous le donner. Tu veux? Tout le camp d'ici, espèce d'enculé! Putain! Qu'est-ce que tu veux? Écoute, mec, c'était... Attends, t'en vas pas, s'il te plaît. Pitié, 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 mon pote. Reviens, laisse pas, attends. Je suis désolé. S'il te plaît, je suis désolé, vraiment désolé, je suis désolé. Pourquoi t'es désolé? Je sais pas ce que j'ai fait, mais je suis sincèrement désolé, mon pote, je te jure. C'est tout? Je sais pas ce que je t'ai fait, mais je suis désolé, par pitié. Tu sais même pas ce que t'as fait? Non, non. C'est ça le problème. C'est que des merdes comme toi vont brûler des gens vivants. Et ils pensent pas aux terribles souffrances qu'ils peuvent causer. Je sais qui tu es. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Je voulais pas faire ça. Oh, je suis désolé. J'ai pas fait exprès. Je suis désolé. J'ai pas fait exprès. Putain, je suis désolé. Je me fous que tu sois désolé.
Désolé est un mot fourre-tout que les personnes balancent quand elles font plus la différence entre le bien et le mal. Je vais te dire qui je suis. Je suis le dernier visage que tu verras de ta vie. Non, mon pote, je t'en supplie, fais pas ça, pitié. Non, s'il te plaît, pitié, non, fais pas ça, je t'en supplie, arrête, je t'en supplie, j'aurais jamais dû faire ça, je suis désolé, pitié. Non, putain, détache-moi, pitié, qu'est-ce que tu vas faire? Je t'en supplie, et reviens, je suis désolé, je voulais pas faire ça, je voulais pas faire ça, merde, reviens, pitié, s'il te plaît, reviens, détache-moi. Ah putain, mec, qu'est-ce que tu fais là? Arrête, détache-moi, merde. Pitié, arrête. Non, 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 Vous avez votre dose en ce moment. Des meurtres plutôt horribles. Ce n'est pas insurmontable, monsieur. On l'aura. Vous croyez que c'est la même personne? C'est possible. À votre avis, ça paraît logique? Dieu seul sait. D'après vous, comment suis-je devenu le plus jeune commissaire divisionnaire de Londres? J'évitais de fourrer mon nez dans la merde. Vous savez, en 2003, je suis allé à New York en vacances avec ma femme. La semaine où on y était, les éboueurs étaient en grève. Vous n'imaginez pas la puanteur. Une ville de cette taille. Et on était en août. Vous savez, les gens n'en ont rien à faire et ne demandent jamais de nouvelles des éboueurs. Ils se fichent qu'ils ramassent les poubelles de tout le monde. Mais quand les éboueurs s'arrêtent, ils le savent immédiatement. La ville commence à puer. Vous avez compris où je voulais en venir. Vous êtes qui, vous, dans cette histoire ? La personne qui nettoie toute cette merde et rend les rues plus sûres. Dans ce cas, ça signifie que vous êtes idiot. Un policier qui pense qu'il va nettoyer les rues est un vrai fou. Ne faites pas de vagues. Occupez-vous du numéro 1 et vous aurez bientôt votre quartier. Vous voulez devenir le prochain commissaire divisionnaire, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Alors, débarrassez-vous vite des perturbateurs, prenez leur déposition, faites-les disparaître des rues et ne mêlez pas la presse à tout ça. Si le préfet découvre que vous ne contrôlez pas la situation, vous serez muté à la circulation avant de pouvoir dire qu'Elizabeth Taylor est vierge. Vous avez compris? Oui, monsieur. Autre chose? Non, juste un café, merci. Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Un thé, merci. Tout de suite. Il fait terriblement froid dehors. Oui. On se connaît? Je dois vous demander de me donner tout ce que vous avez sur lui. Je suis désolé, mais c'est impossible. Cet individu nous appartient, vous voyez. Il n'est pas à vous. Colonel Leach, c'est à moi qu'il appartient. Du moment qu'il décide de faire la loi à sa façon dans mon quartier. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. En septembre de l'année 2009, on nous a averti qu'une attaque très importante était sur le point de se produire sur le territoire britannique, si grave que votre vie quotidienne ressemble au pays magique. Nous avons organisé une opération pour ramener le gars qui avait prévu cette attaque. Les talibans nous sont tombés dessus comme le déluge. Les échanges de coups de feu, les pires de ma vie. On ne pouvait pas se sortir de cette merde, alors il fallait se débrouiller là où on était. Il a fallu à Vickers 10 minutes seul avec ce gars pour réussir à lui faire cracher le morceau.
Et pendant qu'on se battait contre 30 talibans, le gars lui a tout raconté. Juste après, Vickers a exécuté le prisonnier. Vous voyez, les gens comme lui, ils ne craignent pas la mort. Ils l'accueillent à bras ouverts. Vous devez vous demander comment il a eu ces informations. On risquait à tout moment d'être envahi, donc on a dû s'en aller. Plus un signe de Vickers. Il est revenu 3 jours plus tard à Bastion, sans une seule égratignure. On ignore comment il a fait. S'il ne veut pas qu'on le trouve, on ne le trouve pas. Il va s'occuper de ses gars, et ensuite, il disparaîtra. Non, je le retrouverai. Parce que c'est mon boulot. Si vous posez ne serait-ce qu'un doigt sur mon soldat, je vous tomberai dessus tellement fort qu'il leur faudra une serpillière pour vous ramasser. Monsieur le préfet Shields, je suppose. Divisionnaire Walsh. Nous n'avons pas entendu votre nom. Carter. Tout simplement, Monsieur Carter. Monsieur le chef du personnel Carter. Merci d'être venu alors qu'on vous a prévenu au dernier moment, messieurs. Vous nous pardonnerez d'aller droit au but aujourd'hui, mais nous devons tirer au clair cette affaire. Cet homme fait l'objet d'une enquête, on nous a dit. Jimmy Vickers, oui, monsieur. Il est soupçonné d'une série de meurtres. Il n'est pas question qu'il soit mis en détention préventive. Vous avez compris? Nous pourrions peut-être nous débarrasser de nos capes et de nos dagues et tout recommencer à zéro. Je suis le préfet Shields de la police de Londres, et vous êtes? Tout simplement l'homme qui fait en sorte que vous tous ici et les gens de cette nation exquise vivent en sécurité à chaque seconde et tous les jours de votre vie. Nous sommes particulièrement gênés que cet individu ait échappé à notre autorité, mais une chose est sûre, il appartient à notre service. Votre homme, celui qui mène cette enquête, devra vous faire un rapport dans l'heure. Et vous, vous nous ferez votre rapport. Est-ce que c'est clair? Donnez-nous quelque chose à nous mettre sous la dent. Et si je vous dis que cet individu travaille dans une unité se trouvant aux confins de nos infrastructures militaires et qu'il a obtenu ce poste grâce à un certain profil et à son caractère? Il est du SAS. C'est un problème qui ne doit pas se retrouver dans vos rues. Un problème que nous sommes les seuls à pouvoir résoudre. Et pour ce faire, il doit nous revenir à tout prix. Ah!
pas ce que t'as comme problème. Ok, que paye. Mais je triple la somme. Tu vois le coffre qui est là-bas? Prends tout ce qu'il y a. C'est quoi le code? Non, non, non. Détache-moi d'abord, mon pote. Non, attends, c'est bon. C'est le 21. 6. 44. Dis quelque chose! Mon pote! Non! Fais pas ça! Non! 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 Arrête, putain! On m'a dit que vous vouliez me voir, monsieur. Oui, effectivement. Venez vous asseoir. Nick, laisse-nous. Quelle drôle de coïncidence. Le dernier policier à avoir eu accès au dossier de ces deux hommes, c'était vous. Avant leur mort, devrais-je ajouter. James Vickers, un militaire. Quant à lui, il sert dans un département quelque peu véreux des forces de Sa Majesté. Le ministère de la Défense est réticent à nous en parler, mais il semblerait que les interrogatoires soient sa spécialité. Et c'est incroyable. Ils veulent qu'on leur dise immédiatement quand on l'arrêtera. Il a fini. Il lui en reste encore. Je veux savoir qui est le suivant. Vous ne saurez rien du tout. Si vous voulez un conseil, ne l'approchez pas. Non, je ne ferai sûrement pas ce que vous me dites. Je le retrouverai, je l'enfermerai. Je ne veux pas savoir qui il cherche ni ce qu'il a fait. Je vous garantis qu'il ne se laissera pas enfermer par vous. Il va les éliminer un par un. Ou crever en essayant de le faire. Oh, alors qu'il essaye, ça me va. Mais s'il croit qu'il a le droit de faire sa loi dans mes rues, il verra ce que je lui réserve. Il n'en a rien à faire de vous. Il n'en a rien à faire de la loi non plus. Il ne veut qu'une chose. Sa vengeance. Il rendra plus justice en une semaine qu'on arrive à le faire en un an. Hein? Monsieur Griffin, je crois qu'on peut dire que vous avez cessé d'être un policier lorsque vous avez commencé à aider votre ami. Je vous souhaite bonne chance pour le retrouver. Ça vous prendra peut-être du temps. Mais... allez! Une justice lente, c'est mieux que pas de justice du tout. Oui, tout à fait. Le pays subira cette austérité jusqu'en 2018. Julia, tu racontes des histoires de chats bloqués dans un arbre ou quoi? Elliot, t'as mis Maurice sur la rubrique nécro, Marcus sur les grèves dans le métro. Désolée, mais Londres est tranquille. Et si tu parlais de tous ces meurtres? Oui, mais je me suis retrouvée face à un mur, j'ai vraiment rien de nouveau. Je croyais que t'avais une piste. C'est le cas, mais j'attends d'en savoir plus. Alors, n'attends pas trop longtemps, Abby rêve de te piquer le bébé. Je sais pas ce que tu as, mais écris-le vite. Allô?
merde. La salope. Commissaire, comment allez-vous ce matin? Vous avez vu les journaux, Spencer? Quels journaux, monsieur? Jouez pas au con avec moi, on a un vrai problème. Tenez-moi au courant heure par heure à partir de maintenant. Oui, monsieur. Vous coincez, vous nous appelez et ça s'arrête là. Ne jouez pas aux super-héros, vous avez bien compris? Oui, monsieur, je voulais vous dire que... Quoi encore? C'est de la bonne. Attends, 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 on se calme. Tu veux quoi, mec ? Je veux aller faire un petit tour. Où ça? Ça va, je roule, ça va. C'est plus dangereux en aérosol sous forme de gaz. Il cause des spasmes, des vomissements. T'as l'impression que t'es en feu au fond de toi. Mais là, il est liquide, mon pote. Et ça, c'est ce que je vais te mettre direct dans les veines. Le processus est encore plus lent. Tu vas me supplier de te mettre une balle dans le ventre. Regarde-moi. Un dernier mot. Va te faire foutre. Tu te sens mieux maintenant, hein? Putain de mauviette, tu te sens mieux? Ouais, un peu. Et toi? Bientôt, mec. Quoi? Quand je verrai ta gueule dans une minute, ce sera carrément le pied. De quoi tu parles, putain de merde? T'as pas regardé dans mon coffre, hein? Tu crois que t'as toutes les cartes en main, mais t'es qu'une merde, Jimmy Vickers? On a roulé combien de temps? 10, 20 minutes? Tu savais pas ce que j'avais fait. Ni ce que j'avais dans le coffre de ma bagnole. Elle avait du tempérament, ta meuf! Elle s'est pas laissée faire! Police! Jetez votre arme! Passagers! Jetez votre arme! Allongez-vous sur le sol! Jetez votre arme! Jetez votre arme et levez!
Oh. Non, au secours, non, non, non. Ferme-la, t'as bien compris, espèce de petite pute. Oh. Qu'est-ce que tu me veux, fils de pute? T'as un problème avec ça, mec? Je te laisse 3 secondes pour te barrer, grosse merde. Retourne d'où tu viens, t'as pigé? Chut. 1, 2, 3. Alors, on l'a trouvé. Faites en sorte qu'il revienne cette fois. Qu'est-ce qu'on fait s'il refuse? Dans ce cas, j'enverrai des hommes après lui pour le faire changer d'avis. Ils le tueront. Il m'a forcé la main, colonel. Jusqu'ici, il a réussi à bluffer la police. Mais s'il croit qu'il arrivera à jouer au plus malin avec sa propre équipe, ça veut dire qu'il la connaît mal.